qu'il y a ici. Donc on a tassé du sable autour d'un modèle, la cloche. Donc pour faire la partie extérieure de la cloche, donc on a mis notre modèle ici. Et donc ensuite on a tassé du sable autour pour obtenir la forme extérieure de la cloche. Ensuite on a pris cette partie là, donc elle est vide, hein, comme ça. On a mis cette partie-là ici dans les glissières. On a retassé du sable à l'intérieur, jusqu'au-dessus. Donc là, on a obtenu la forme intérieure de la cloche. D'accord ? Ici, la forme extérieure. Remplir le vide et donc nos évents là autour, c'est pour que l'air ressorte, pour pas avoir de bulles d'air. Voilà, ici. Donc tout ce qui est en bronze là avant, c'était du vide. Pour décorer la cloche, on a pris des dessins en relief, donc les lettres, et on est venu faire des empreintes dans le sable.
Donc en fonction des modèles de cloches, les cloches droites comme ça, elles doivent avoir un son grave, donc elles sont plus fines que celle-ci. D'accord. Celle-ci doit avoir un son plus clair, donc il faudra qu'elles soient même plus épaisses. Donc c'est pas du polissage, c'est du tournage. Donc on va enlever, donc quand on a marqué la cloche, donc on a gardé des parties vierges, et donc c'est là qu'on va venir enlever le métal. Et donc le fait de tourner à la main, donc la cloche elle ne tourne pas, c'est pas une pièce mécanique, puisque le sable, donc le moule il a été tassé à la main. Donc il est un petit peu plus tassé à un endroit que l'autre, donc elle ne sera pas forcément ronde la cloche. Si on la tourne avec un tour mécanique, pour avoir un bon résultat de finition, il faudra qu'on creuse plus dans la cloche. Donc on va fragiliser aussi la cloche et on va enlever du son. Quand en la tournant à la main, on va épouser les défauts et on va enlever moins de métal.